adhérents à cette unité de montagne, la 27e brigade d'infanterie de montagne. Donc nous avons tout à l'heure, bien sûr, pensé à tous ces camarades, ceux qui sont encore en place, parce que ça va peut-être encore durer un moment. Et puis je regardais un petit peu, mais c'est ce nombre impressionnant de drapeaux et fanions. Et ça, je dis bravo, hein. Bravo, parce que c'est quelque chose qui est important. C'est votre image de marque. C'est exactement votre carte de visite. Et ça, je suis extraordinairement heureux de vous avoir vu. La fédération, vous me direz, pour cette nébuleuse qui est à Vincennes, pourquoi Vincennes, berceau historique des chasseurs, on se bat pour être la courroie de transmission entre le commandement et les amicales, via les présidents régionaux. Vous savez, on est, je crois, bien organisé depuis des années, puisqu'on vient de fêter l'année dernière le 90e anniversaire. Et on continue à travailler, pourquoi pour les chasseurs? Le souvenir. Parce que tout à l'heure, nous avons commémoré, et commémorer, c'est se souvenir. Et je trouve que c'était extraordinairement bien organisé. Donc nous, à notre niveau, si vous voulez, c'est la courroie de transmission. On relie nos amicales, nos régions et le commandement. Bien sûr, avec les grands personnages, vous savez, on a fait une Sidi Ibrahim cette année, moi j'en étais tout à fait heureux, puisqu'on avait, c'était il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un ministre de la Défense qui passait le drapeau des chasseurs, notre unique drapeau. Ça fait partie de notre tradition, notre unique drapeau.